Voilà, donc ici c'est chez moi. Marhaba, bienvenue. Donc voilà, en fait, moi je suis originaire de Casablanca, au Maroc. Je suis venu ici en Belgique en 1975. Donc ça fait longtemps quand même. Je suis venu à l'âge de 6 ans. Et alors, c'était pas du tout prévu. En fait, c'est, pour l'anecdote, c'était grâce à un tracteur. Parce que mon père, paix à son âme, travaillait dans une usine au Maroc de chaussures. Et il avait des amis qui étaient partis en Belgique pour travailler. Et quand il revenait en vacances au mois de juillet, il n'arrêtait pas de lui dire « Viens en Belgique, il y a du travail, il y a tout ce qu'il faut et tout. » Et mon père ne voulait pas. Lui, il adorait le Maroc, et il adorait la campagne surtout. Il était originaire de Stade. Et chaque année, c'était comme ça. Toutes les vacances au mois de juillet, on le harcelait pour venir travailler en Belgique. Il ne voulait pas. Et pour finir, il a dit oui à ses amis. Il leur a dit « Je veux bien venir travailler ici en Belgique, mais à une seule condition, c'est que dès que j'ai assez d'argent pour acheter un tracteur, je reviens. » Il est venu travailler donc 3 ans plus tôt, donc en 72. Il vivait tout seul, bien sûr. Et alors, il était invité chaque soir à manger chez un de ses amis, qu'il avait invité à venir ici en Belgique. Et alors, au fil des mois qui défilaient, quand ils voyaient que leurs enfants allaient à l'école, ils étaient bien habillés, quand ils étaient malades, le médecin venait à la maison et tout. Il a réfléchi, il a sacrifié son projet de tracteur et puis il nous a envoyé des billets d'avion pour qu'on vienne vivre ici en Belgique, quoi. Donc c'est un petit peu son sacrifice, que c'est grâce à ça qu'on est venu ici en Belgique. Ouais, ben ici donc nous sommes dans le parc de l'Harmonie. C'est un parc dans la ville de Verviers, à une trentaine de kilomètres de Liège. Et en fait, c'est un endroit particulier parce que j'aime bien venir ici pour me ressourcer, chercher l'inspiration dans le calme, la verdure. C'est un endroit qui me plaît beaucoup, donc pour son calme surtout. Moi, le métier de scénariste n'est pas venu comme ça tout seul. En fait, au départ, j'ai tout le temps été attiré par tout ce qui est vidéo, photo. La première vidéo que j'ai faite, c'était le mariage de mon grand frère. Et j'avais fait le montage avec 3 vidéos en son temps, parce qu'il n'y avait pas de DVD. Le résultat, je veux dire, était bien, et c'est parti de bouche à oreille dans la famille et les amis. Et là, on m'a chaque fois demandé si je pouvais venir filmer un mariage ou quoi, et c'est comme ça que c'est parti. Mais ce n'était pas mon but ultime. Moi, mon but ultime, c'était le cinéma. Donc, j'aime bien le cinéma. J'en regarde beaucoup. Et étant donné que je suis marocain, je m'intéressais aussi au cinéma marocain. Et quand je regarde les films à la télévision marocaine, je suis très, très souvent, 9 fois sur 10, déçu. Déçu de la qualité, de l'histoire, le scénario. Pas grand-chose. Et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose pour changer tout ça. Et alors, je suis fan de l'acteur marocain Rachid Louali. Et alors, un jour, j'étais devant l'ordinateur, je me suis dit, je vais voir s'il avait un site internet à lui. Et de fait, il en avait un site officiel. Je l'ai un petit peu parcouru. Et il y avait un onglet contact. Je me suis dit, pourquoi pas le contacter, on verra bien, on n'a rien à perdre. Et je lui explique justement mon désarroi par rapport au cinéma marocain, à la qualité. Et le lendemain, il m'a répondu par mail, en me disant ben justement que lui ne pouvait rien faire à ce niveau-là, qu'il était tout à fait d'accord avec moi, et que c'est pas lui qui pouvait changer les choses, mais au contraire, si les gens pouvaient bouger et faire changer ces choses-là, on pourrait améliorer le cinéma marocain. Et je lui ai dit justement, j'ai un projet de scénario où je te vois bien comme un acteur principal. Il m'a dit oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On reste en contact, tu me racontes l'évolution, et en plus je dois monter à Bruxelles dans 2 mois, on pourra se voir à Bruxelles. Je suis d'accord, pas de souci. Et c'est quelque part lui qui m'a motivé
à écrire, qui n'était pas mon métier, donc c'était un hobby. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai appris comment écrire un scénario, parce qu'il y a une méthode pour écrire. Et alors j'ai fait connaissance avec un ami, Willy Keller, qui habite l'île de La Réunion. On s'est rencontrés sur un forum de discussion de scénaristes amateurs. Et là, ça fait, je veux dire, 3 ans qu'on se connaît, qu'on évolue ensemble, qu'on a des projets ensemble, on en a concrétisé ensemble. Et c'est un duo qui marche très bien. Et maintenant, mon scénario que je parle avec Arachide est terminé. Je suis en recherche de financement. J'ai trouvé une partie du financement via le réalisateur marocain Mohamed Ben Souda, qui habite en France, qui a réalisé dernièrement Souaklem Chaouchia, qui lui est partant, il a aimé l'histoire et qu'il était d'accord de produire la partie qui se fera au Maroc. Il reste la partie qui se fera en Belgique, à Bruxelles. En fait, le métier de scénariste, au départ, ce n'était pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était la réalisation. J'adore réaliser. Je fais des reportages sur les mariages et compagnie, sur des matchs de foot et tout. Mais mon but ultime, moi, c'est la réalisation. Et le premier court-métrage que j'ai réalisé, c'était avec mon enfant. Il avait 4 ans, Imed. Il était fou de Rocky Balboa. Parce que je regardais, moi j'aimais bien, lui il regardait avec moi, donc il était tout fou, il adorait ça. Mais un jour j'ai décidé de lui faire jouer le rôle de Rocky Balboa, donc je l'ai habillé avec un training, un essuie, et il sort de la maison pour aller courir, s'entraîner, il ramasse une branche de bois, il commence à la soulever comme Rocky exactement. C'était agréable, parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était une petite caméra, donc quand il courait, ben, je devais courir aussi, donc on le voit bien que ça tremble un petit peu. Mais maintenant, il a 14 ans et quand on revoit ça, on rigole. En fait, ici, j'ai été contacté par un chef d'entreprise français qui s'appelle Rodolphe Pedro. Il a, via un contact qu'on a en commun, qui lui a écrit une biographie sur sa vie, donc, et voudrait bien la réaliser en film. Je lui dis, il n'y a pas de souci, j'ai été acheter le livre, j'ai lu, et directement, j'ai vu que ça ne se ferait pas en un seul film. Il y avait tellement de choses à raconter que je lui ai proposé de faire ça en 4 téléfilms d'une heure et demie, et proposer ça à une télévision française, parce que là, je crois qu'il y avait matière à faire. Lui, il était séduit par l'idée. Il m'a donné rendez-vous à Paris, dans un hôtel. On a discuté pendant 1h30, on a mis le projet sur les rails. Et là, on a fini d'écrire le premier volet. Il est achevé. Et on a bientôt un rendez-vous avec une productrice française, justement pour produire et signer un contrat pour les 3 autres volets. Donc à ce niveau-là, ça évolue très bien. Et juste avant ça, j'ai écrit un scénario de court-métrage qui s'appelle « Huit de trèfle » pour un jeune réalisateur belge qui s'appelle Adrien François. Lui aussi m'a contacté via Facebook. On s'est rencontrés, on a échangé nos idées, et voilà ce qu'il voulait. Je l'ai écrit, il a été séduit, ravi. On l'a réalisé, j'ai assisté à la réalisation. Avec Mounira Etamou comme acteur d'ailleurs qui a joué dans Les Barons. Il y avait aussi Jean-Luc Couchard qui a joué aussi dans Les Barons. Et ici, il va bientôt être diffusé dans les cinémas belges. Des difficultés, je vais dire, j'en ai pas vraiment, hormis le temps. Donc je travaille dans un bureau d'études et
Après journée, ben, il y a les enfants, il faut faire les devoirs avec eux et tout. Je vais dire, il y a peut-être 2 heures dans une journée où je peux me consacrer à ça. Mais il y a des fois où je fais autre chose. Je prends du travail après journée, je travaille pour un architecte après journée. Donc c'est pas évident de gérer ça. Donc moi, c'est surtout une question de temps. De temps. Et quand j'ai des jours de congé, ben, j'en profite d'abord avec la famille. La plupart du temps, je les envoie à Paris chez la famille. Comme ça, je suis tout seul, tranquille, et je peux écrire à l'aise, quoi. Donc, sinon, au niveau... L'imagination, elle est là. J'ai un souci, une recherche à faire ou quoi, ben, Internet est là, Google est là, je vais dire... C'est surtout une question de temps, je vais dire. Ben, j'aimerais bien saluer donc mes tantes, mon oncle, ma belle famille, et alors à tous les gens de ce bêta, et Inch'Allah, vive le Maroc.